Bienvenue à vous sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord de nos retrouvailles. Vous connaîtrez nos moyens pour pouvoir avoir de l'argent tout en étant sur la route. Restez connectés à cette chaîne et on y va. Jingle! À tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas sur les vidéos. En tout cas, dans un premier temps, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année. Ensuite, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu des soucis médicaux. Maintenant, ça va mieux. Ça a été un peu chiant cette période parce qu'on n'a pas pu fêter les fêtes de fin d'année ensemble. On les a passées séparément. Mais bon, c'est pas grave, je suis de retour parmi vous aujourd'hui. Donc du coup, nos projets ont été interrompus et pendant ce temps-là, on est en train de réajuster nos projets pour pouvoir les mener à bien, afin de vous les présenter correctement. En attendant, on va vous montrer ce qu'on fait en ce moment et on va tout vous détailler. Alors vous pouvez remarquer que j'utilise justement des montages, je fais au niveau design, je monte des sites, bon, bien sûr il y a des sites clés en main, et donc je fais tout ce qui est montage selon ce que le client me demande. Et par rapport à ça, ça me permet justement de pouvoir voyager et de pouvoir avoir un certain gain d'argent déjà de ce côté-là. Il y a bien sûr d'autres moyens. Vous connaissez certainement le marketing de réseau, donc c'est aussi un des moyens pour pouvoir gagner de l'argent sur la route et pouvoir être vraiment mobile et pouvoir avoir des revenus récurrents. Alors vous en doutez très certainement, il y a mille et une manières de pouvoir gagner de l'argent en étant sur la route. Le road trip, c'est quelque chose d'assez pratique pour avoir une vie assez libre en fait, et pour pouvoir gagner de l'argent différemment. Alors ça, ce sont des choses bien sûr que nous pratiquons pas forcément tout le temps. Il y a des sites de traduction en ligne où est-ce que nous pouvons traduire les textes que des personnes ont besoin de traduire. Donc si vous pratiquez des langues étrangères, vous pouvez des langues étrangères ou même la langue française simplement. Donc il peut avoir des documents
qui sont en anglais, qu'il faut traduire en français, etc., ou en espagnol, différentes langues. Et donc, ça nous permet de gagner aussi de l'argent sur ce point de vue-là. Alors, comme je vous dis, nous ne pratiquons pas forcément tout le temps, mais voilà, c'est aussi un procédé pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a l'affiliation, je pense que vous devez déjà connaître l'affiliation Amazon, l'affiliation AliExpress par exemple. Et donc par rapport à ça, lorsque vous avez un produit phare que vous présentez, bah, vous pouvez justement, de par votre lien, gagner une certaine somme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, bah, toutes les personnes qui fréquentent un peu le milieu des revenus en ligne connaissent un peu ces choses-là et savent la première règle et l'unique, celle qui est la plus importante, c'est qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. Alors, c'est valable aussi pour les salariés et autres. Donc, effectivement, le but n'est pas de rester vitam aeternam dans un emploi, même si certains sont cloisonnés à l'être dans leur tête. Et ben, il faudrait justement pouvoir vous ouvrir à d'autres choses. Donc, c'est un petit aspect, on va dire, financier. Il faut s'ouvrir à différents accès de revenus récurrents pour pouvoir être bien portant en fait dans sa vie quotidienne, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, où est-ce que nous savons qu'un salaire ne peut pas permettre de vivre aisément. Après, tout dépend du salaire, bien sûr, ne peut pas permettre de vivre aisément dans cette vie sociale dans laquelle nous vivons. Donc, il est très important de pouvoir multiplier ces sources de revenus et surtout d'accéder à des sources de revenus récurrentes pour pouvoir être à l'aise dans sa vie de tous les jours. Et par cela, donc, il y a le site aussi. Ce site-là consiste à un peu faire un peu de tout. Alors, c'est tout à 5 euros d'ailleurs, c'est le nom du site, et tout est plus ou moins pas très cher, et ça permet de pouvoir avoir, alors si vous êtes doué dans la musique, vous faites des instrus, des choses comme ça, vous pouvez aussi gagner de l'argent par là. Vous êtes bon dans le graphisme, dans le développement aussi vis-à-vis de l'informatique, et donc toutes ces choses là si vous pouvez avoir des petits contrats pour pouvoir gagner de l'argent, mais après ce sont des petites sommes. Sur le site, en tout cas sur le site, tout à 5 euros. Mais il y a d'autres sites où est-ce que vous pouvez gagner bien plus. Donc moi je vous invite un peu à explorer la toile parce qu'il y a des tonnes de choses. Je vais tenter de mettre 2-3 sites en descriptif de cette vidéo. Mais je vous invite vraiment à pouvoir aller faire des recherches sur ce qu'il vous plaît et justement trouver ce travail récurrent qui vous permettra, non seulement si vous travaillez déjà, d'aller au travail et d'avoir le temps de faire un petit peu et gagner aussi, avoir une autre source de revenus, ce qui est très important. Donc il y a ceci, donc il y a des traductions, il y a aussi le marketing de réseau, et bien sûr, je pense que vous connaissez le marketing de réseau. Bon, ben, certains ont des produits, d'autres non. Donc, voilà, c'est l'affiliation en fait, simplement. Donc, je sais que, bon, en général, on a, nous en France, on a du mal à sortir de l'argent de nos poches. Ce qui n'est pas réellement le constat quand on voit en Angleterre, aux États-Unis, ils sont plus ouverts et au niveau de l'argent, bon ben voilà. Par exemple, mettez-moi dans les commentaires si vous serez prêt à mettre 10 euros dans une affaire en ligne et en sachant que vous pouvez en gagner 100 à la fin du mois, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et
Donc, mettez-moi en commentaire si vous, vous êtes prêt à faire ça ou pas. Et voilà, logiquement, en toute logique, vous comprendrez très bien ceux qui sont prêts à mettre 10 euros, logiquement, pour en gagner 100 dans un mois. Ben, voilà, ce n'est pas une grande perte. Il n'y a que 90 euros à gagner ou 10 euros à perdre. Donc, que ferez-vous? Vous perdrez ces 10 euros ou vous gagnerez 100 euros? Est-ce qu'il n'est pas préférable de perdre juste simplement 10 euros et voir ce que ça donne? Et donc, voilà. C'est là que se situe un peu le blocage vis-à-vis. C'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas, ce n'est pas évident. Mais même lorsqu'on nous explique, on n'est pas forcément confiant vis-à-vis de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est compréhensible. Mais il y a beaucoup de retenue. Et c'est une mentalité qui bloque certains business. Où est-ce qu'on peut gagner des 1000 et des 100. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué avec cette mentalité. Et voilà. Bon, aujourd'hui, vous connaissez, il y a la bourse, il y a les forex, tout ça. La bourse, il y a le trading, il y a tout ça. Donc voilà, c'est encore un autre moyen. Il y a aussi le Bitcoin, tout ça là, toutes les monnaies virtuelles. C'est aussi un moyen de gagner de l'argent pour pouvoir être sur la route. Donc la monnaie virtuelle, il faut juste l'acheter et la revendre au bon moment, quoi. Et donc il faut l'acheter bien sûr très tôt pour la revendre. Donc bien sûr il y a d'autres moyens pour pouvoir avoir des revenus sur la route. Et il y en a un autre qui concerne justement le bien-être. Et je pratique justement un peu de coaching vis-à-vis des personnes qui ont besoin d'être un peu mieux dans leur vie et de savoir comment y accéder, comment y parvenir. Et pour cela, si vous êtes intéressé, je vous invite à venir sur Instagram et à me poser la question. On en parlera un peu plus en profondeur à travers des messages. Et bien sûr, vous vous doutez bien que, vu que je ne suis pas seul, il y a aussi un autre moyen de revenu qui est celui de madame et auquel nous n'allons pas nous étendre pour le moment car il est en cours de structuration. Et une fois que ce sera fait, on fera une vidéo s'il le faut. Mais sachez que voilà, à part ceci, il y a bien sûr les emplois saisonniers CDD qu'on peut faire à gauche, à droite, un peu d'intérim, des choses comme ça, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent et d'aisance pour pouvoir rouler un peu plus longtemps. Ce qui nous permet aussi, dans d'autres occasions, de pouvoir faire des économies pour pouvoir investir sur nos projets qu'on présentera bien plus tard. Mais de prime abord, on pourra ça permet aussi de faire des économies. Mais l'important n'est pas que sur les projets, parce que vous savez que notre maison roule, et vu que notre maison roule, ça mérite un certain entretien. Et donc, il vaudrait mieux avoir de l'avance au niveau des finances. Donc, surtout, vous êtes sur la bonne chaîne. Ne changez pas de chaîne. Restez sur cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et au cas où, si c'est fait, partagez l'information. Et n'oubliez pas un petit pouce. Alors, je vous dis à très bientôt. Et ne zappez pas. Ciao.